Ouais, bah salut à tous, moi c'est Rémi, je suis cheminot à Saint-Lazare. On est à la manif samedi 4 novembre aujourd'hui, en soutien au peuple palestinien, à la cause palestinienne, pour dénoncer d'une part la colonisation de l'État israélien, là-bas, qui là bien sûr a pris la tournure qu'on a vue, la tournure d'une guerre de bombardement incessant, du siège de la bande de Gaza, d'une entreprise de départ forcé des habitants de la bande de Gaza. Et on observe bien sûr le soutien de l'État français, de Macron, à cette entreprise coloniale absolument horrible. Et j'ai envie de dire quelque chose à mes collègues, aux gens autour de moi, qui sont pour beaucoup révoltés par ce qui se passe, mais qui grosso modo pensent qu'on ne peut pas faire grand chose. Et je veux leur dire quand même que c'est pas pareil du tout s'il y a des manifs partout à travers le monde qui regroupent des millions, des dizaines de millions de personnes. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, où l'État français était le principal belligérant. La guerre d'Algérie était de son fait. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, menée par les États-Unis. Les manifestations, les mouvements d'opinion, la contestation aux guerres, eh ben, elles ont joué une grande importance dans les événements. Donc il faut absolument amplifier le mouvement et rejoindre la contestation et la dénonciation de l'État français et de l'État israélien.